Vous connaissez mieux les joueurs français maintenant, mais pas encore leurs petits secrets pour rester au sommet. On est allé suivre Jean-Philippe Gatien lors de l'une des étapes capitales de sa préparation d'avant-match, le collage de la raquette, une opération de haute précision. On se colle et puis... En fait, le solvant qui est dans la colle, qui, en pénétrant dans le caoutchouc, a tendance à tendre ce caoutchouc, donc il devient plus rigide. Donc on gagne en vitesse, en fait. Le rebond de la balle est plus rapide. C'est pour ça que 90% des joueurs aujourd'hui collent avec ce type de colle. Le gain de vitesse, c'est dur de l'estimer, mais on parle de 30% quand même, ce qui est assez considérable. Donc on recolle puisque ce solvant s'évapore relativement rapidement. Donc généralement quand les matchs sont espacés de 3-4 heures, on recolle systématiquement dans chaque rencontre. Ça fait pas tout, faut mettre la balle sur la table aussi maintenant. Une fois leur raquette collée, Jean-Philippe Gatien et Didier Maumessin peuvent se retrouver autour de la table pour savoir qui sera le champion de France 1997. En demi-finale, Philou a perdu son premier set du tournoi, c'était contre Nicolas Chatelain. Didier a lui remporté le match au couteau qui l'opposait à Olivier Marmurek, plus qu'un match de tennis de table. Cette finale, c'est la revanche des demi de 90 à Poitiers, à savoir la seule défaite enregistrée par Gatien en championnat de France depuis 1988. Cette année-là, il remportait son premier titre senior, inoubliable. Un excellent souvenir, c'est forcément le premier titre de champion de France qui marque, je dirais, un nouveau pas dans sa carrière. Il y a toujours un fossé entre la dernière année junior et les premières années seniors. On est souvent très performant quand on est junior dernière année, c'est-à-dire quand on a 17-18 ans. Et le fossé est énorme entre ces joueurs-là et puis les premiers joueurs seniors. Donc moi, j'ai eu ce premier titre de champion de France quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire un an et demi après ma dernière année junior. Et ça voulait dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça voulait dire que je m'installais comme leader de l'équipe de France, comme leader du tennis de table en France. Et j'en garde un super souvenir. Dominateur, Jean-Philippe Gatien a remporté le premier set 21-18. Mais il est mené 14-9 dans le deuxième. Service à suivre pour Didier Maumessin. 14-9. Beaucoup moins de sécurité pour Jean-Philippe en démarrage du revers qu'en démarrage du coup droit. C'est pourtant dur à prendre l'initiative, oui, sur cette balle très courte. Mais il est bien monté au-dessus de la table, Didier. Il a réussi à jouer cette balle avec beaucoup de vitesse. Voilà, il avance bien dessus. Balle à remettre. Tranquille. Didier Maumessin qui compte maintenant 7 points d'avance dans cette deuxième manche. Oui. 16-9, Maumessin, Gatien au service. Ouais, Jean-Philippe qui va se retrouver assez rapidement loin de la table. Une initiative pas suffisamment puissante. Didier qui accélère tout de suite. Jean-Philippe qui se retrouve loin de la table. 16. Et là qui se met à subir. Tente une contre-attaque mais qui va sortir. Voilà, on voit. Il est loin. Il contrôle une fois en l'air. La balle est assez haute et Didier peut accélérer dans le plein coup droit. Et Jean-Philippe va sortir la contre-attaque. Balle à remettre. On
l'enchaînement. Service rentre en latéral et derrière on enchaîne tout de suite avec un revers en diagonale petit côté. On camoufle jusqu'au dernier moment, on tourne la raquette et là on trouve un angle quasiment impossible à couvrir. Ah oui, belle accélération de la part de Didier Momessin, bien relâché dans cette deuxième manche. Ouais, qui a pris l'option de jouer fort, de jouer la balle tôt pour essayer de laisser le moins de temps possible à Filou de réaction. Et on le voit là, il prend la balle très très tôt et tout de suite après en coup droit. C'est bien parti dans cette deuxième manche, maintenant pour Momessin. 19-13. Service raté. On se reconcentre. Oh. 19-14. Il passe bien sur la balle en revers, sur l'initiative de Didier. 19-14. On est tendu dans le revers. Le démarrage est là. Tout de suite, il couvre la balle en revers. 19-15. Ah, 19-15. Le bras qui tremble un peu, peut-être chez Momessin. Non, je pense pas. Il y a l'expérience quand même. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il tourne à 20-15 pour avoir un petit peu plus de marge sur le service de Jean-Philippe derrière. Ce ne sera pas le cas. 16-19, ouais. Il a manqué un petit peu de lucidité, Didier. Il a cherché à conclure de manière assez rapide les points. Il a fait quelques fautes assez faciles. Maintenant, il faut qu'il oublie, qu'il se reconcentre, qu'il repense au placement qu'il va donner au retour de service, qu'il essaie surtout de varier et de jouer avec l'initiative le plus possible. C'est 20. Service tourne Jean-Philippe. 4 balles de 7 pour Didier Momessin. 17-20. Le 3. Tranche. Oui, sur un démarrage avec beaucoup de rotation de la part de Jean-Philippe. 17-20. Ouais, ben voilà. Oui. Nouvelle accélération revers de la part de Didier Momessin qui égalise à une manche partout face à Jean-Philippe Gatien. Cette finale est donc un peu plus accrochée que prévu pour Jean-Philippe Gatien. Le tenant du titre est alors obligé de passer la vitesse supérieure. Une légère saute de concentration lui avait déjà coûté un set lors des demi-finales face à Nicolas Chatelain. Il se ressaisit tout de même dès le début du troisième set, un set qu'il remporte 21-11. Et on retrouve les deux hommes à l'attaque de la quatrième manche. Didier qui aura fait un beau championnat de France puisqu'il aura été en finale du double mixte et puis en demi-finale du double messieurs. 1-0. Trois médailles donc sur ces championnats. C'est pas possible. Oui, avec peut-être une médaille d'or sur cette finale du simple. Hein. 2-1. Didier qui sert bien, il sert court. 2-2. Il avait bien contrôlé l'initiative de Jean-Philippe, mais il a mal négocié cette accélération du revers de partout. 2-3, Jean-Philippe immédiatement saisi par Didier Momessin. Bon flip dans le revers. Il va bien avancer sur la balle et il va flipper dans le revers. Jean-Philippe n'a pas le temps de réagir. 2-4. Je pense qu'il va se forcer à rester plus près de la table. Il va chercher à être beaucoup plus agressif sur les initiatives de Jean-Philippe. C'est une de ses seules chances de pouvoir arriver à l'ennuyer. 3-4. C'est plus difficile pour cette série de services pour Jean-Philippe Gatien. Qui a tenté de service donc, qui n'a pas surpris Momessin qui se retrouvera coquille advienne en tête sur son service derrière. Ce service-là avait marché pendant le troisième set, mais là Didier maintenant a anticipé, il s'est bien dégagé en vert.
belle accélération. Bon, 7-3. Jean-Philippe qui est top spin dans la latérale et Didier qui accélère dans la ligne droite. Un coup très difficile. 7-3, Didier Maumessin. Service à suivre dans cette quatrième manche. 7-4. Service un petit peu remis long par Jean-Philippe, bonne initiative de Didier. 9-4. Qui pour l'instant est en train de reprendre l'ascendant dans cette manche. Il trouve les bons placements, il surprend Jean-Philippe, on va le voir. Il remet long dans le plein coup droit, très très près de la ligne et Jean-Philippe est un petit peu loin. 9-5. Alors même Jean-Philippe Gassien qui a tendance à reculer un peu plus qu'il ne faisait lors du troisième set. On retrouve un peu comme lors du deuxième. L'initiative dans le revers, Didier la prend très très tôt. On reste un peu en revers-revers, on pivote. On cherche à bloquer Didier dans le revers et après 7, une fois qu'on est loin de la table, c'est plus facile pour marquer le point. Bonne initiative en revers de la part de Jean-Philippe. Ce que disait tout à l'heure son entraîneur, démarrer avec le revers. On voit, il vient au-dessus de la table, la remise est courte, mais il vient bien au-dessus de la table, la gifle et la balle. 9. Il était mené 6-9. Pour Philippe Gassien, il revient à 9 partout. Ça revient vite avec le service. Hein. 10-9. Il y avait 9-4 même, ça fait 6 points d'affilée pour Jean-Philippe. Il laisse démarrer Didier qui ne peut pas démarrer fort et tout de suite, il pivote et trouve un petit côté. Ça, c'est un thème de jeu éprouvé. En tout cas, revoici les deux hommes à égalité à la moitié de cette quatrième manche. Retour un petit peu long de Jean-Philippe. Bonne initiative de Didier. Et derrière, il conclut avec une frappe en coup droit. On 11, voit, 11. Il démarre dans le revers, Jean-Philippe est surpris, la balle est haute et là, il frappe de toutes ses forces. 11-10, 11 partout maintenant. On a hésité à démarrer des deux côtés, mais la balle était bien courte. Oui. Pas démarrer fort parce que la table gêne. Voilà. On va pas laisser passer cette occasion. On va revenir à 12 partout. La balle est haute et là il va s'engager à fond. Il fait après très 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 fort. Ouais. Jean-Philippe qui de nouveau s'est retrouvé loin de la table, Didier a bien mené l'échange, on le voit, la remise est courte, le démarrage n'est pas très puissant, Jean-Philippe arrive à contrôler dans le revers, mais c'est à partir de là qu'il va subir. Gassien. 12-14. Attention, c'est une service importante. Oui. Pas qu'il laisse partir Didier Maumessin. 13-14. Tenter quelque chose de difficile, Didier. Il aurait mieux valu qu'il cherche à contrôler en revers, mais il avait anticipé le pivot et il a voulu la prendre en coup droit. Et là, il était un petit peu juste, il était un petit peu trop près de la balle. Un peu 14, de réussite. Ça fait du bien pour revenir à 14 partout. Et ça fait du mal à Didier, c'est pas psychologiquement. Et il y en a vu d'autres. 14 partout.
touché la table. Une deuxième 15, belle volée. 14. Ah, peut-être le tournant de ce quatrième set. On le voit, Jean-Philippe, ça rentrant et la balle va effleurer le bord de la table et rebondir vers l'extérieur. Elle est injouable pour Didier. Et le démarrage immédiat de Jean-Philippe Gatien qui mène maintenant 16-14. Mon message. Didier qui s'est un peu énervé là. Il a manqué de réussite sur ses deux points précédents celui-ci. Et c'est vrai qu'il pourrait être devant sans cette réussite de Jean-Philippe. Et il se retrouve maintenant à 14-16. Et on le voit là, il va shooter dans la balle de colère. Okay. Belle contre de la part de Jean-Philippe Gatien, ouais. Beau contre. Il ne faut pas craquer maintenant pour Didier Maumessin. Oh, troisième balle volée pour Gatien. Ah, c'est vrai que ça va faire beaucoup. Qui sera en tête sur son service quoi qu'il advienne. Philou qui s'excuse, mais bon, ça fait partie du jeu et on n'arrive pas à... Ce ne sont pas des points qu'on fait exprès. Cage des Juifs. À Didier de remporter au moins un point, il vient d'en prendre 6 d'affilée. Ouais, dont 3 sur balle volée. C'est vrai qu'à un moment stratégique de ce match-là où Didier était encore devant, c'est dur. Les pattes. Ouais. Ouais. Il n'a rien volé là, Jean-Philippe Gatien. Il a anticipé, il a pivoté, il a pris la balle très tôt avec beaucoup de risques. Et il a forcé la chance là sur ce point. Didier a pris une bonne initiative, Jean-Philippe va venir jouer la balle très tôt après le rebond. Et on le voit, il se dégage. Voilà même encore. 5 balles de match pour Jean-Philippe Gatien. Qui a passé une vitesse supérieure sur les derniers points. Oui, qui a connu une bonne réussite. Là, elle n'était pas évidente du tout. Il est dans une position vraiment très difficile. Didier qui a pris un carton jaune au passage pour avoir jeté de sa raquette et shooté dedans. Rien de bien grave pour l'instant. Et puis sur les 5 balles de match à venir, si ça peut lui permettre de puiser un peu d'énergie supplémentaire, un peu d'adrénaline. 5 balles de match pour Jean-Philippe Gatien. La première bien voilà. Victoire de Jean-Philippe Gatien en 4-7 face à Didier Maumessin. 21-18, 17-21, 21-11, 21-15. 9e titre de champion de France pour Jean-Philippe Gatien, son 7e d'affilée. Oui, c'est bon, la logique est respectée. Jean-Philippe a remporté ce 9e titre. Je crois qu'il a fait son boulot, comme il dit. Il est venu ici pour gagner. Il est dans une période où il ne doute pas. Ses principaux un petit peu adversaires au départ, les Chila, Legou et Lois, sont tombés en route. Lui n'a pas tremblé et c'est vrai qu'il a fait face à la situation. Et c'est tout à fait logiquement qu'il remporte ce 9e titre. Avec Jean-Philippe Gatien qui vient à l'instant de décrocher son 9e titre de champion de France, son 7e d'affilée. Comment on peut vous arrêter maintenant sur les championnats de France? Je ne sais pas, je ne demande pas qu'on m'arrête. Ça a été relativement difficile quand même en finale, c'était tendu. Didier est un joueur que je connais bien. Tactiquement, il m'a bien joué, il m'a bien muselé. J'étais peut-être un chouïa moins tonique sur les jambes et c'est ce qui a expliqué... ces petites difficultés au deuxième set et puis aussi un petit peu de chance quand même, il faut l'avouer, sur la fin du quatrième. Mais je l'apprends, hein, je le prends ce 9e titre. Si je compte bien, il m'en manque 8 pour attraper ce crétin. Vous y pensez? Pas du tout, pas du tout. J'aurai des cheveux blancs et 2 cannes, je pense, pour avoir les 17 titres d'ici là. C'est un titre de champion de France, donc ça vous fait plaisir. Il n'est pas question d'arriver au championnat de France et de ne pas viser le titre. En revanche, il y avait déjà derrière la préparation au championnat du monde. Ça reste le gros objectif cette saison, bien sûr. C'est clair, l'objectif c'est les championnats du monde. J'ai pris les championnats de France comme une compète, un petit peu de préparation, comme je le fais chaque année. L'entraînement foncier que j'ai eu et que j'ai subi avant les championnats de France était plus destiné à préparer les championnats du monde que les France. Mais ceci dit, avec une concentration et une motivation qui m'a surpris ici, parce que c'est mon gros défaut d'habitude au championnat de France. Et finalement, j'ai trouvé les ressources nécessaires pour aborder mes matchs de manière tout à fait convenable, sérieuse, concentrée, sans avoir beaucoup de sautes de concentration et d'humeur. Et ça, c'était important. Ce qui est important de souligner, c'est que depuis 2 mois, c'est du bon Gatien, quoi. Et c'était bien de confirmer ici, après la victoire au top 12. Comme ça, je suis toujours sur pente ascendante pour les championnats du monde. Ça aurait été dommage qu'il y ait un petit creux ici, avec une défaite. Ça aurait perturbé un petit peu la confiance. On avait été vous voir à l'INSEP, vous aviez dit que vos objectifs pour les championnats du monde, vous vouliez les garder un peu pour vous, pas de nouvelles?
aucune nouvelle, rendez-vous après les mondes. Mais je me sens vraiment bien. Après cette période de flou, c'est vraiment bon, mais avec un B majuscule, de renouer avec la victoire, de se faire plaisir au bout de la table, d'avoir d'excellentes sensations, de bons repères, de bons automatismes, de bons enchaînements. Et c'est vrai que le cru 97 est bon. C'était un peu vendange tardif parce que j'ai mis du temps, mais il est là, quoi. Vous connaissez maintenant tous les champions de France 1997. Au revoir et à bientôt pour l'utilisation.